Tout, la demande tout commerçant, n'importe monde, tout le monde mettez mais dégagez nous, préparez bateau nous, à partir d'aujourd'hui, voyez bateau, venez là, venez sous Port Saint-Louis là pour nous venir recevoir marchandises nous parce que ça c'était commencement bataille pour nous rendre département sud là autonome. Merci. Voilà, ou même qui sur radio télé à Colondio ça déjà nous devant entrer et selon là pour aller dans Port Bédimel côté bateau à lui-même. Les jeunes autorisations là pour bateau à débarquer, déjà c'est un pile contentement. Moun yo vraiment content, un pile trelé. Simon déjà sous place pour entrer en dedans. Déjà, nous allons quitter cette vidéo pour commencer. C'est l'entrée de Bédimel là, côté trelé Simon même. Yo déjà prend position pour entrer en dedans là pour bateau à lui-même, li al débarquer. Route là lui-même, nous capables de route là, li débloquer. Puisque le bateau a une autorisation pour le débarquer, ça a son trilé. Bateau lui-même les jeunes autorisation pour débarquer en pile de l'estiment il est déjà entré en dedans déjà là bon côté bateau et ça c'est l'autre les qui a pris position pour virer pour entrer en dedans et bien ou même qui a regardé radio télé à Colondio ça sur YouTube là sur Facebook là sur YouTube là sur Facebook là n'a pas de abonner partager déjà route Saint-Louis lui-même les débloquer. Journaliste qui présent avec nous sur site Port International Saint-Lucide là. Donc moi-même en tant que président comité cellule de réflexion pour l'ouverture et fonctionnement réel de Port du Sud. Donc son sentiment de satisfaction je dis à qui dégage la caille moi comme on peut comprendre que et son joie totale qui dans la population là dans la mesure où nous jeune l'ordre formel du gouvernement haïtien pour que bateau ça li débarquer je dis à même pour regarder là c'est satisfaction totale. Donc, l'anon comité ça qui m'a dirigé avec toute l'équipe là. Donc, m'a remercié toute population grand cible là, diaspora, journalistes en particulier, qui t'a porté coller avec nous, je dis à pour nous réussir la bataille ça. Alors, nous avons dit ça son premier victoire nous fait dans le combat que nous avons mené pour ouverture et fonctionnement réel du pouvoir. Dans le combat que nous avons mené pour région, pour grand cible là. Donc, nous avons demandé de continuer à mobiliser avec nous. Donc, ce n'est pas fini. Donc son premier tranche nous gagne la bataille là continue. Donc mais c'est moi merci nous qui me la balague, ça gagne n'a qui me population avec peuple là informé de tout ça passé. Donc je pense que c'est nous pas vle nous pas. Alors son ciment qui vient suite après 17 octobre nous t'ai fait en marche, nous t'ai sensibilisé les commerçants donc yo tande nous. Donc je pense que c'est un ensemble de commerçants qui mettent tête ensemble pour que ciment ça venir ici là que nous même nous féliciter parce que il y a un problème qui était posé et il a dit que le bateau pas rentré, le commerçant dans le sud pas fait commande. Donc, il pense que c'est le commerçant qui mettait tête ensemble qui fait bateau sa vie. Ok, est-ce que nous étions couverts que le bateau a débarqué? Oui, ça est certain, comme on a constaté. Donc, tout le bateau est fini net et l'agent douanier a gagné, il a été annoncé là et mettre bateau là et tout le monde là. Donc, c'est sûr que tout le bateau est ok, bateau a débarqué. Ok, est-ce que des matchs sont garantis avec l'autre commerçant ou l'autre monde qui a remis importé? Est-ce que vous avez des moustaques là pour vous? Oui, vous voulez dire que est-ce que l'autre bateau est garanti qu'il est rentré et qu'il est capable de débarquer sans problème? Donc, c'est une petite victoire que nous avons là pour nous faire bateau ça débarquer. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut continuer la bataille parce que nous face à un système qui a longtemps. C'est face au système nous. C'est-à-dire la République de Port-au-Prince veut toujours être la République de Port-au-Prince qui occupait toute bagaille centralisée à Port-au-Prince, monopole économique, monopole politique, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est une petite victoire ça. Il faut continuer la bataille, faire pression sur ce système-là pour nous faire un grand passage pour que nous jusqu'à ce que nous arrivions dans la décentralisation. Parce que c'est le système ça même qui vous mène dans la décentralisation. Il faut qu'il y ait un aéroport, il faut qu'il y ait une route, il faut qu'il y ait l'électricité.
pour que l'investissement soit capable de faire dans la région, dans le Grand Sud, là, et laisse alors la population à travailler. Et puis, il y a une infrastructure, laisse à nous arriver dans un niveau de décentralisation. Et laisse à nous pas dépendre de Port-au-Prince encore. Mais comme M. Port-au-Prince, le système n'est pas meilleur depuis longtemps. Nous avons forcé au coulier pour nous passer. Donc, nous-mêmes, au niveau des cellules de réflexion, comme président Soutfèli, et nous-mêmes, nous ne pas mener en bataille simplement pour un bateau débarquer. Nous avons mené en bataille pour que le port du Sud les mêmes soit opérationnel. Revendication n'a pas changé. 9 km route là. Donc, il faut que le ministère TPTC arrange très rapide pour lui faire 9 km route là pour nous, en vertu du principe de la continuité de l'État. Puisque le président était déclaré ouvert les sentiers, je dis à qui TPTC prend les mesures qui s'imposent pour que route là. Commerçants, nous avons demandé pour ne pas prendre l'intimidation. Ça, vous faites là, c'est pour vous décourager. Nous avons toujours, nous-mêmes, au niveau des populations, nous avons toujours campé avec eux depuis qu'ils étaient dans le cadre de la légalité. Donc, c'est pour toute raison, ça, nous avons demandé pour que tout commerçant, tout le monde qui est en business, commence à venir exploiter le port du Sud, commence à venir faire importation, commence à venir faire exportation au niveau du port du Sud. C'est un bel port, un port qui est très, très, très riche, donc, un port qui est très sécurisé tout. Donc, c'est la bon pour nous. Nous pas payer conteneur, nous pas payer droit de passage avec le port du Sud. C'est pour toute raison ça. Même les commerçants de Port-au-Prince nous invitent à venir faire commerce avec nous. Son belle zone, son bel côté, c'est un port qui est sécurisé, un port qui remplit tout norme, qui capable nous capable de recevoir un bateau de 150 mètres. Et nous avons demandé pour le gouvernement d'y agir vite pour que son route là. Et pour le déclarer, et Haïti ou bien le port du Sud ouvert au commerce extérieur pour capable gagner l'autre région venir faire commerce avec nous parce que nous-mêmes nous pas fait produit dominicain au confiance. Merci beaucoup. Okay. N'a demandé pour diaspora et tout souké ko tout. Donc comme nous ca constater là port ouvert. N'a demandé diaspora et comment s'organiser diaspora grand sud Miragwan sont depuis Jacques Mel Léo Gan Tigouave Grand Grave souké ko nous pour nous commencer voyer bateau voyer jani voyer débris pour famille nous qui a souffri depuis longtemps dans pays. Donc je dis à l'on conteneur sorti au Cap, il sorti Saint-Marc, il sorti Port de Paix. Nous comprenons qu'il va aller temps passer pour lui là, pour dire même qu'il a gâté. Nous avons dit que Gaspard dans la région, ce que nous avons, bataille ça va faire passer pour nous toute la fête. Il faut que nous soyons connus pour que Gaspard soit ouvert au commerce de tous côtés. Ok, pour le finir, nous connaissons que si il y a un agent qui a sorti dans le NIP qui vient de Boïsia, c'est un problème dans le douane, dans le camp. Donc, je pense que le problème, ça n'est pas un problème. Pas non, comme nous te disons déjà. Non, si vous avez fait des problèmes, ça va répéter, ça va arriver que parce que tout le problème là, il vient là. C'est ça, c'est un problème système. Non. Pour construire, mais qu'il y a là, mais bâtiment administratif là. Tout, n'a demandé tout commerçant n'importe monde tout monde mettez mais dégagez nous préparez bateau nous à partir d'aujourd'hui voyez bateau venez là venez sous Port Saint Louis là pour venir recevoir marchandises nous parce que ça c'était commencement bataille pour nous rendre département sud là autonome. Merci. Tout, n'a demandé tout commerçant n'importe monde tout monde mettez mais dégagez nous préparez bateau nous à partir d'aujourd'hui voyez bateau venez là venez sous Port Saint Louis là pour venir recevoir marchandises nous parce que ça c'était commencement bataille pour nous rendre département sud là autonome. Merci. Voilà ou même qui sur radio télé Lia Colondio ça déjà nous devant entrer et selon là pour aller dans port Bédimel côté bateau à lui-même. Les jeunes autorisation là pour bateau à débarquer déjà c'est en pile contentement moun yo vraiment content en pile trailer ciment déjà mou sous place ça pour entrer en dedans déjà nous pral kite sur vidéo pour comment ça y est ça c'est dans entrée de Dimel là côté trailer ciment au même yo déjà prend position pour entrer en dedans là pour bateau à lui-même li al débarquer route là lui-même nous capable de route là li débloquer puisque bateau à jeune autorisation pour débarquer ça sont trailer n'a gardé là bateau les mêmes les jeunes autorisations pour débarquer en pile de l'estiment qui déjà entré en dedans déjà là bon côté bateau et ça c'est l'autre trailer qui a pris position pour virer pour entrer en dedans. Et bien ou même cap garder radio télé Lia Colondio ça sur YouTube là sur Facebook.
Facebook là, sur YouTube là, sur Facebook là, n'a pas demandé abonner, partager déjà route Saint-Louis à lui-même, les débloquer.